Avec mon partenaire Astro Gaming, profitez des jeux moins chers et des points FIFA moins chers. Plus de détails dans la barre de description. Yo les gars, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo, donc avec un petit pack opening. Donc là, pour coup, au début, récompense Future Champions pour coup, les gars. Après, des petits packs passent par-ci par-là. Et à la fin, pour coup, les gars, le petit SBC icône. En espérant qu'on ait du lourd. C'est parti. Bon, pour coup, les gars, on va ouvrir les récompenses Future Champions. Avant, il y a la deuxième team des icônes FIFA World Cup. Donc, Cabaggio, Eto, Casillas, Tchelchenko, tout ça, tout ça. Du Laurent Blanc, du Hernandez, du Roberto Carlos. Et pour le coup, il y a la deuxième team. Donc c'est les joueurs histoire. Ils ont rajouté Giroud hier. Oui, c'était hier. Ils l'ont rajouté hier. Et il y avait Dani Alves. Non, pas Dani Alves. Je ne me rappelle plus, il y avait qui. Il y avait Gigi Nagatomo, je crois, ou je sais plus quoi. Bref. Enfin, voilà quoi. Mais il y a des bons joueurs, hein. Du Bale, du Van Dijk, du Laporte, tout ça, du Richarlison, du Alves aussi, du Rabiot, tout ça, donc plutôt une équipe sympathique, enfin des joueurs sympathiques qu'on pourrait peut-être packer, ça pourrait être sympa. Allez les petits, rang 4 on a fait beaucoup les gars, avec un très bon fut champ en vrai. C'était mal parti samedi, c'était un peu injouable, et en vrai c'était vendredi et dimanche où c'était jouable, donc... C'est pour ça qu'on a fait le petit rank 4. Allez les gars, bon alors on fait pas en mode photo les gars. Hein. Comme d'habitude là, vu qu'il n'y a pas des cartes rouges ni rien. On ouvre normalement. Oh, Verratti déjà. Grosse note. Ça c'est pas mal. Oh, Dybala. Dybala, Kevin Trapp, ok. Vas-y, prenons Dybala. Ah putain, encore Verratti. On va prendre Aspas ou Kostic. Vas-y, prenons Aspas. Vas-y. Allez les gars, nous avons plein de packs sympathiques en vrai, des joueurs, trucs hors prime, méga, machin, des trucs, voilà, des trucs essentiels, vu que j'ai fini les trucs objectifs, tout ça, si on l'ouvre pas, ouais, je pense pas l'ouvrir, parce que c'est le pack 84x20, là, machin, donc je pense pas l'ouvrir, on attendra peut-être la Totti celui-là, on verra les gars, après j'ai d'autres packs en vrai, d'autres packs et tout, pack à 100K, bah ça c'est récompense future champ aussi. J'aurais dû avoir aussi un autre pack à 100K les gars aussi. Avec les tokens que tu peux avoir quand tu regardes le live de EA, bien sûr. Pourquoi j'ai regardé le live d'EA? Le live il a duré 2 heures, donc bon j'étais un peu en retard, on va pas se mentir, je m'en rappelais plus que voilà, il fallait récupérer mon token. Et ces bâtards ils ont coupé le live, il a duré quasiment 2 heures, hein. Quasiment 2 heures. Alors que ça te met que tu peux avoir le token, tu peux l'avoir entre 18h30 et 23h, mais bon. Voilà quoi, c'est IE quoi. C'est IE, c'est IE. Donc j'étais à 96%, ils ont coupé le live et puis bah c'est bloqué. Donc j'aurais pu avoir un pack à 100K, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, faudra attendre le mois de janvier pour que j'en ai un autre quoi. Donc on attendra 2023 quoi. Oh, ça se lève. Bon, espagnol. T'as qui? T'as Canales, ok. Oh, ça part à gauche. Ça va être qui? Oh, Goretzka, bien. Je l'avais jamais packé en plus. Bien, Goretzka. Très, très bien. Putain, mais vas-y, donne des cartes de couleur à un moment donné, là. Ah, Van Dijk, allez, non. Bah, non. Toujours DC hollandais, c'est De Vrij. Jamais ça peut être Van Dijk. Oh, bah, non. Bon, beaucoup, les gars. Il nous reste ces 3 packs, là. Pack à 5 joueurs, de TK 33 plus, le pack à 100K et pack ultime. Le 100K, je l'ouvre normalement, et celui-là, et celui-là, je l'ouvre en mode photo, les gars. Voilà. Putain. Oh, c'est Goulashy, c'est bon, on souffle. Il y a plein de cartes spéciales, des icônes World Cup et tout, machin. Tu peux pas en avoir. C'est. Franchement, ça sert à quoi de faire fut champion, quoi. On dit Maria, Pellegrini, ok. On souffle quand même. Ok, déjà, ça te met déjà les trucs World Cup, là, ok. Oh là là, 13 doublons. Oh là 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 là. Bon, j'allais dire, on peut avoir Messi, mais là je l'ai vendu de régular, parce que vu que j'ai fait le SBC. Donc voilà. Ouais, régular, là j'ai pas d'autres gros joueurs, à part des héros et tout, qu'on pourrait peut-être packer, tu vois, et avoir. Ça serait la seule solution. C'est ça, non? Oh, Yann Sommer. Oh là là là. Et après, il reste une carte. Je m'entends pas à grand chose. Là, vu que j'ai eu Sommer, là, je
pense à un 86 ou un 87 régular là, c'est sûr. Thomas Moulin ou un truc comme ça. Ouais, c'était régular. On s'attrape, quoi. T'es presque parti sur la même chose, quoi. De gardien de Bundesliga, quoi. Voilà, quoi. Ok. Gendouzi, voilà. Oh, 84, 84. Alors voilà. Voili voilou. Bon, il y a des doublons. Imaginez, il y en a 5. Ah, deux doublons. Deux doublons sur 5 joueurs, ok. Ok, bon, ça sera encore des 84 ou trucs comme ça. Piqué, ok. Oh, Verratti, ok. J'étais obligé de. J'étais obligé de finir le SBC icône qu'ils ont mis là aujourd'hui. Enfin, j'étais obligé de le finir, les gars. Ça se trouve, il y a un SBC icône après, les gars. Peut-être, j'ai même dit peut-être. Bon, un rejeu 83. Ça sent le roussi. Partait. Ça part pas très bien, pas se mentir. Et non. Et non, et non. Oh, Vini. Oh, pas mal ça, Vini. Je l'avais jamais eu, Vini. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et bon, on pourra peut-être le tester ce week-end, les gars. Voilà. C'est le petit rayon de soleil, on va dire. En plus, ils ont gagné le Brésil là, 4-1 là, ce soir. Donc, bah, c'est un signe. C'est un signe, Vinicius. Je l'avais jamais packé. Donc, bah, très très bien. Même si on a un peu eu de cartes spéciales. Mais au moins, Vini, c'est très très bien. Oh, Eder Militao, je crois que je l'ai pas eu lui en plus. C'est bien. Oh, ça se lève. Ouais, ça va être pas ouf. Aussi. Bien! Bien, Joshua Kimmich. Là, je fais que packer les joueurs du Bayern en ce moment. La Goretzka, il n'y a pas si longtemps. La Kimmich. Bien, Kimmich. Je l'ai fait pas mal de fois que je l'ai packé en plus. Oh, putain, mais c'est cheaté ces packs. Ou comme Brozovic? Bien! Bien. Ils sont cheatés ces 80 plus là. C'est pas mal. Ou pas Mécano aussi. Bien. Oh, allez. Thomas Neuer? Ah non, trappe. Putain, mais je fais pas que des Allemands. Que des Allemands. Mais c'est bien. Des grosses notes, on prend. Oh, allez! Oh putain, mais vas-y. Ah ouais, mais putain, mais c'est bon. Chaque fois, je parle des cartes spéciales, c'est des trucs soit Qatar ou Arabie Saoudite. Putain, c'est bon. Et en plus, comment je fais pour le caler? Après, c'est tranquille, c'est vendable. Ça, pour le coup, c'est vendable, donc ça va. Ça peut coûter cher, mais bon. C'est relou. Pas des Européens ou Amérique du Sud, quoi, c'est chiant. Allez, une carte histoire, mais on veut un putain de Européen ou de Amérique du Sud là. Un petit Dani Alves et tout, ça pourrait être pas mal. Pas beaucoup. Il n'y a rien du tout. Ça serait un Portugais, ça sera Otavio. Lève. Bon, sa vie juste. Sa vie de 84, bon ça va, c'est bien pour les SBC icônes. Ouh, de rien. C'est bien ça. Bon, pourquoi les gars, on va voir le petit. SBC Icon 87+, en espérant qu'on ait une belle icône, ça pourrait être pas mal. Icône offensive, tu vois. Ça pourrait être pas mal, donc on va faire en mode drapeau, les gars, comme d'habitude. C'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On fait de Z à A. Donc là, on va déjà faire Ukraine. Ukraine, Sheva pour le coup. Donc c'est pas lui, très bien. Serbie, Vidic. Ok. Suède, Larsson. C'est pas lui. Pour coup les gars, c'est quoi, vous savez quoi, le top 9 on le fait à la fin. On essaie de changer un peu. C'est pas mal de changer un peu, donc top 9 les gars à la fin. Donc là beaucoup Pays de Galles. C'est pas lui, ok. République tchèque, non. Roumanie, non plus. Russie, non plus. Mexique, bon Hernandez et puis l'autre là. Ok. Hongrie les gars. Franchement, Hongrie les gars, Puskas. On prend vraiment. C'est pas lui. Après, il y a donc George Best. On prend aussi. C'est pas lui. Daglish. Je prends vraiment. C'est pas lui. Finlande. Bah, normalement, il doit avoir toujours Litmanen. Normalement. Ok, c'est pas lui. Ghana. Michael Essien. En vrai, la vérité, je prends. C'est pas lui. Cameroun. Bon, Eto'o. Bah, en vrai, on prend quand même. Bon, il a fait un truc là, il y a pas si longtemps. On avait une vidéo. J'avoue, c'est pas ouf ce qu'il a fait en vrai, mais bon, et tout on prend quand même. C'est pas lui. Côte d'Ivoire, bah ouais, Didier Drogba. Bah, Didier Drogba, on prend, hein, vu qu'il est denti. C'est pas lui. Bulgarie, Stoïkov. Pas lui.
Ça va être le top 9, les gars. Donc A, il n'y a plus personne en A, non? En A, il n'y a plus de petites nations, hein, je crois. Hein. Non, c'est bon. Let's go, top 9, les gars. Ah là là. Ah là 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 là. Bon. Alors, il faut déjà savoir que... Il faut que je me rappelle des cartes que j'ai déjà en icône, déjà. Donc, Hollandais, j'ai Seedorf. Espagne, j'ai Torres. Pays-Bas, donc j'ai aussi Cruyff, après, tout ça aussi. Et j'ai Ronald Koeman aussi, pour le coup. Et puis voilà, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est tout. Ok. Et quoi, les gars, on va éliminer les petites nations, enfin les nations où c'est relou, tu vois. Donc on va dire. Vas-y, tu sais quoi, l'Angleterre, les gars, on veut éliminer l'Angleterre. Bon, il y a Gerrard, tout ça, on va pas dire les joueurs et tout, mais. L'Angleterre, on veut éliminer direct. Donc vas-y, Angleterre. Oh putain, je me rappelais plus que je l'avais en prêt, putain. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. T'as c'est vrai que j'ai Lampard en prêt. Ok, bon, c'est pas anglais, c'est très bien. C'est très très bien. Contre l'Espagne et l'Italie, qui c'est que j'élimine, les gars? Je sais pas qui est éliminé. Vas-y, Italie. On va éliminer l'Italie. Parce qu'il y a des autres joueurs qui sont un peu relous. Non, moi, j'ai pas de icône, ni en prêt, ni quoi que ce soit, je crois, Italie. Attends, je crois que j'ai pas Del Piero ou un truc comme ça en prêt. Je sais plus. C'est pas Italie. Très bien. Bon, espère, on sait qu'on a déjà Torres pour le coup. Putain, oh, c'est Xabi Alonso, encore un espagnol. Ah, il est pas ouf, Xabi Alonso, je crois en plus. Même s'il est peut-être lenti pour le coup. Ouais, c'est sûr qu'il est lenti, mais. Enfin, il a pas de vitesse et tout. En plus, c'est ça quoi? Ça, c'est sa. Middle, non? Est-ce que c'est sa middle? Je crois, hein. Ouais, c'est la baby, les gars, en plus. C'est la baby de Xabi Alonso, putain. Après, tu peux faire des équipes à avec lui, hein. Liverpool, Real de Madrid aussi. Il a joué au Liverpool, au Real, au Bayern aussi. C'est relou. C'est relou que ce soit Xabi Alonso. Toi, ça aurait été un Xavi ou tout comme ça aurait été pas mal. Ou même Butragueno. Ah, c'est relou, Xabi Alonso. Bon, un peu cool, les gars. Plutôt mitigé, on va dire. Plutôt mitigé. Moi, les récompenses futures, en ce moment, c'est pas fou, on va pas se mentir. Voilà, avec les cartes rouges, machin. Bon, tu peux avec des grosses notes, c'est bien pour les SBC, mais bon, voilà quoi. Voilà. Après, bah, on a eu quand même des grosses notes dans certains petits packs, donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'on a pu faire le SBC icône. Malheureusement, le SBC icône, bah, chez Bernanzo quoi. Pas extraordinaire, malheureusement. Malheureusement, c'est un grand joueur, mais dans le jeu, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour le gars, bah, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Moi, sur ce jeu, c'était moi quand même. Ciao.